Là, petit échauffement, tranquille. Ensuite, les gars vont travailler quelques combinaisons. Et ensuite, sparring, c'est l'heure, c'est enfin l'heure. On espère que les pros vont nous mettre autant d'intensité que les amateurs. Parce que là, les amateurs ont mis la barre très très haut. De merde. C'est exactement ce qui était écrit sur le planning. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On monte, on monte, on monte, on monte. 15 secondes à tenir, on monte. On va partir sur des burpees complets. 3, 2, 1, top. C'est parti. Allez les gars, je vais voir tout le monde flavant. Et vous poussez sur vos jambes. Ok. Toujours sous contrôle. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont réveillés depuis hier. Ils sont réveillés. C'est bon ça. Comment tu sens pour le sparring? Bah bien, ça va, tranquille. Nickel. On va faire le taf. On est bien, on a récupéré. On va faire la guerre, hein, comme d'hab. Sans même fatiguer, on fait la guerre. Y'a pas de problème. Là, j'ai vu ton coach, il vient d'arriver. Ouais, je crois qu'il est là. Oh, mais il est là. Il est là. Hein? Tu vas vouloir l'impressionner? Oh, il faut. Il faut, je pourrais pas tourner avec lui aujourd'hui, mais je vais lui montrer que je suis là. Il va être fier, le coach. Lazy beau gosse. Lazy king.
team. Oh. Là, il commence à envoyer, sévère, il commence à mettre de l'intensité. C'est très intéressant. Techniquement, c'est très très propre ce qu'il propose. Du coup, là, on est en taille. Hein. Donc là, le travail qu'ils vont devoir effectuer, c'est ping-pong en fait, tout simplement. Ils vont travailler uniquement avec les jambes. Ils sont libres, ils envoient ce qu'ils veulent. Middle, high, front, ce qu'ils veulent. Mais par contre, dès qu'ils reçoivent, ils doivent répondre. Et inversement, du coup, dès que l'autre reçoit, il doit répondre. Là, normalement, l'intensité, elle doit être très 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 élevée. Du coup, voilà. Là, on va voir ce que ça donne et je pense que ça va être très intéressant à voir. Ils sont comment aujourd'hui? Pas le choix, hein. Je vais se dire bien, très bien. Ça va le faire. Pas le temps, hein. Pas le temps à perdre, hein. Je suis arrivé à... L'entraînement commençait à 16h30. On a vu il y a 15h30, donc... un peu de retard, 10 minutes de retard, le temps de prendre la voiture d'arriver, mais c'est bien, j'aime quand ça... J'aime quand ça part direct. De toute façon, on est là pour faire du sérieux, donc... pas le temps de... Pas besoin d'acclimatation, en fait. L'acclimatation, c'est le sparring ici. Donc là, j'ai juste hâte de découvrir les gars, de Makaté, les Issa Isakov, de Noah Saint-Denis, Abdoul, que je connais pas encore, mais les gars qui sont forts et avec lesquels il va être intéressant d'évoluer. C'est parti les gars, oh! Anna, c'est là, hein. C'est matin, c'est chez toi là. Hein. C'est ton domaine. Après ta droite, mets le loki. Après ta droite. Prends-le en tranquille. Allez, du rythme les gars, du rythme. Lève tes mains, José. Garde-le, José, va le chercher. Voilà. Allez, travaille. Ça enchaîne les sparring, c'est super. Génial, au niveau partout, j'adore. Alors, jour de sparring pied-point aujourd'hui, on est au quatrième round maintenant. On fait la petite pause, et après ça reprend. Ça s'est bien passé, hein. On a tourné avec Abou Tonkara, avec Kevin Ruart et avec Djibril. Au sparring, c'était cool. Très bon niveau, des bonnes difficultés avec certains bons strikers comme Yann, Anas. Bonne sensation, ça fait du bien de se sentir mettre en difficulté. Et voilà, ça montre qu'il y a, plein de choses à améliorer et j'espère que ça va me permettre d'être encore plus performant. Oui, je me sens très bien. C'est mon premier jour ici dans la camp à Sofia avec la BTT. On a commencé par du kickbox, Muay Thai, donc du sparring. 5 fois 3 minutes. Oui, j'ai senti le cardio, je dois le travailler encore. Moi, ça fait un an maintenant que je n'ai pas combattu. J'ai prévu un combat pour mi-septembre avec Brave. Donc je suis en train de m'entraîner pour ça et oui, c'était bien. Normalement, je commence un peu plus lentement avec le sparring pour tester l'adversaire, voir comment il bouge pour le connaître. Et maintenant, c'est de nouveaux gars. Tu vois, nous au Luxembourg, on est juste à 3. Et maintenant il y a plein de monde, on est à 60 aujourd'hui dans ce camp, donc c'est une très bonne opportunité. Et oui, il y a Guillaume qui m'a dit de mettre le rythme, et oui, c'était bien. Bah écoute, là on vient d'arriver,
sparring, il y a du gros niveau, il y a des mecs qui ont des cardio infinis, des poumons d'acier. Voilà, on va essayer de tenir, on se remet doucement en jambes, mais on est là pour ça de toute façon. Je m'appelle Anastas Izoun, Team Chaos Squad. Alors aujourd'hui on a fait les sparring en Muay Thai, donc c'était super bien. Merci à Guillaume Pelletier pour nous avoir permis de faire ces sparring. Il y a du très très bon monde dans toutes les catégories, c'était vraiment bien, donc voilà.